jamais vu. Encore plus fier d'être ch'ti, nous lui devons cette mise en lumière exceptionnelle du Nord-Pas-de-Calais. Je vous prie d'accueillir le délégué régional du Concours Miss France, Dominique Villain-Allard. Ça fait du bien de vous retrouver, Béthune et les environs de nos amis qui nous soutiennent. Alors je vais vous dire tout de suite pourquoi. Parce que tout simplement, je me rends compte que vous êtes nombreux à y avoir cru de nombreuses années sans qu'on y arrive. Mais petit à petit, une Miss France, deux Miss France, trois Miss France, une Miss Univers, quatre couronnes énormes en quatre ans. Évidemment, un défi exceptionnel, c'est vrai. Mais s'il n'y avait pas eu le soutien des ch'tis, tous ceux qui ont voté, c'est grâce à vous aussi qu'on y arrive. Alors, sans grand discours, je vous dirai simplement du fond du cœur, à vous tous d'être là, tout simplement merci. Merci, merci. Place à l'élection nouvelle de Miss Béthune. Oui, on va choisir une nouvelle ambassadrice. Alors, elles sont 15 candidates. 15 candidates et autant de Miss invitées. Vous imaginez, le couronnement tout à l'heure, on aurait une trentaine de jeunes filles superbes sur scène. Alors, comme il est de tradition, je commence par celle qui vient d'être élue. Elle s'appelle Léa. Léa Kolczynski. Et elle a été élue Miss Codrézy, c'était la semaine dernière, et c'est sa première sortie officielle. L'ambassadrice de la dentelle, Léa Kolczynski. On est très fiers d'ailleurs, hein. 90% de l'industrie de la dentelle française part à l'exportation, ça crée énormément d'emplois. Et bien maintenant on part dans la petite Suisse du Nord, parce qu'on a tout chez nous dans le Nord-Pas-de-Calais, et on a même presque la Suisse, puisque on a les vergers de la Vénois, ces petites collines, c'est magnifique, et des spécialités culinaires aussi qui nous régale. Alors, la Vénois, c'est la Vénois. Ouais. Elle a été élue à Bouilly. Elle s'appelle Juline et c'est la nouvelle Miss Vénois. Juline Martinez. Gyrith a été Miss Flandre, hein, avant d'être Miss Nord-Pas-de-Calais, Miss Nivelle et Miss France, par la même occasion. Eh bien, la Flandre est représentée ce soir avec deux Miss. La première vient d'être élue à Merville. Elle s'appelle Valentine. C'est Valentine Josson de Cuinoir. Au patrimoine mondial de l'UNESCO, ça nous permet de faire un voyage à travers la diversité de notre région. C'est la capitale Atrebat. Alors, sous ce nom un peu sorcier, eh bien, c'est Arras, tout simplement, capitale de l'Artois. Il y a son ambassadrice, élue au Royal Variété d'Arras. Elle s'appelle Laurine Marette, la nouvelle Miss Artois. Une particularité pour cette région.
elle est féminine et elle est masculine. On dit le Pével ou la Pével. C'est la région d'Orchy, là où on fait notre élection régionale chaque année, où je vous invite d'ailleurs le 13 octobre prochain. Eh bien, elle est Miss Pével. Elle s'appelle Maggie Pant. La ville de Tourcoing nous fait l'amitié d'être représentée ce soir à travers le sourire de son ambassadrice. Elle s'appelle Suzon Desplanc. Miss Tourcoing. Le mec, il meurt, il nous envoie dans toutes les mondes. Ce titre parce qu'on a chacun au fond de nous des souvenirs de gars courageux dans la famille qui ont été parfois au fond de la mine dès l'âge de 8 ans, 10 ans comme Galibo parce qu'ils étaient l'aîné de la famille pour faire bouillir leur marmite. Témoin, c'est terrible. C'est terrible. Nous, nous, montagnes, c'est la sueur, le sang, le courage et les larmes de toute une des générations de mineurs. Et ce souvenir, on l'évoque avec la présence de Miss Bassin Minier, Laure Léane Guibon, Miss Bassin Minier. De l'industrie du verre. Eh bien, voici Maëva Marcage, ambassadrice de l'Ostrevent, habillée en verre. Un long fleuve tranquille. Savez-vous que l'Escaut fait 900 km de long, presque autant que la longueur de la France. Et on est fiers de cet Escaut, entre autres rivières, qui traverse notre région, avec ses péniches, qui sont aussi notre patrimoine. Voici Sephora, la Wedge, Sephora, Miss Vallée de l'Escaut. Se fout de toi, hein. Célèbre pour ses artistes. Et bien, tout simplement, on est fiers aussi de savoir que Watteau, Garbeau, Froissart ne sont pas des boulevards. Ce sont aussi des artistes qui ont fait la richesse de notre patrimoine culturel. Et c'est la capitale du Hainaut qui est représentée ce soir avec le sourire d'Audrey Lomel, Miss Valenciennes. Sur la côte. Et oui, parce qu'on a aussi la mer, on a de tout dans le Nord-Pas-de-Calais. Alors, pour beaucoup d'entre nous, oui, c'est les week-ends avec les parents à Berck pour respirer du bon air. Eh bien, nous, on respire du bon air à Berck pour y faire l'élection Miss Opale Sud avec le comité Miss Opale Sud d'Amélie Jourdain, que je salue, qui est présente dans la salle. Et donc, ce sera le 12 janvier prochain, si vous avez envie de faire un bain de mer un peu frisqué, le 12 janvier prochain, eh bien, rejoignez-nous pour Miss Opale Sud. En tout cas, l'arrêt de l'élection, elle est là ce soir, c'est Emmanuel Watteau.
Il se donne sud, prix du comité régional. Ouais, bizarre. Un autre fleuve qui lui aussi a décidé d'être tranquille, et c'est bien comme ça, c'est la Deule. La Deule, la vallée de la Deule, Miss Vallée de la Deule, ben c'est Anissa Bechdin, bien sûr, Miss Vallée de la Deule. Oui, de l'offense. Nous étions à Lumin dernièrement. Et très belle élection aussi, beaucoup de plaisir à retrouver notre public. Une ambassadrice pour Lumin qui n'a pas démérité lors de la régionale, puisqu'elle a eu le prix régional du mérite artistique. C'est une véritable artiste, je vous présente. Miss Lumin 2017, Mavéa Dupris. Et le titre l'an dernier, qu'on a fait bon usage, puisque Miss Avenois 2017 a obtenu l'écharpe de 4e dauphine régionale de Miss Nord-Pas-de-Calais. Moi pareil. Il s'agit de Sarah Delacour, 4e dauphine régionale. Cette fois, Héloïse Dulabin a remporté le titre de 3e dauphine régionale de Miss est représenté également ce soir avec le sourire de Charlotte Zabata qui a obtenu l'écharpe de seconde dauphine régionale de Miss Nord-Pas-de-Calais. Charlotte Zabata. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais alors on a quand même de très jolies filles de Nord-Pas-de-Calais. Comment s'étonner qu'on remporte autant de couronnes, même à Miss Univers? Mesdemoiselles, merci d'être là avec nous pour nous faire rêver. Merci sincèrement à toute l'équipe qui les a coiffées, maquillées. Oui, la Conférence Académie, le coup de main du Galcerf. Et puis bien sûr, Académie Beauté, que je remercie, notre partenaire régional. Alors, mesdemoiselles, elles vont nous offrir, bien sûr, un chant en deuxième partie que je ne vous dévoile pas maintenant, mais je peux vous garantir que vous allez vous régaler. De nouveaux costumes, des sourires resplendissants, et je vous promets une soirée où on oubliera tous les soucis et tout ce qu'on voit dès en ce moment. Dès qu'on ouvre le poste de radio ou de télévision, on se demande ce qui va nous tomber dessus pour de mauvaises nouvelles. Alors on oublie tout ça ensemble ce soir pour cette belle fête familiale. Et je vous remercie sincèrement d'être avec nous. Voilà, bonne soirée à tous. David Carrevert. Ah, bizarre. Et elle a un sourire tout à fait détendu. Alors c'est très bien. Miss Codrezzi, Léa Kolczynski. Julie Martinez, Miss Avenois.
Dorine Larette, Miss Artois. Valentine, chausson de Bruna. Miss Blanc. Miss Pébelle, Miss Pépinte. Miss Pourquoi. Susan, c'est Blanche. Miss Ostrement, Maëva Marlange. Miss Vincent Minier, Léane, notre champion de course à pied, c'est une juste sportive, c'est pas la wedge. Miss Valais-Nolesco. Et puis bien sûr, Miss Opal Sud, prix du comité régional. Emmanuel Valou. Ouais. Miss Valenciennois, prix de la sympathie, Audrey Lemel. Prix de l'éloquence, Alissa Benjdin. Miss Valais-Nolesco. Miss Salua, prix régional des mérites artistiques, Catherine Dauphine, Sarah Delacour, Catherine Dauphine, Héloïse Dunava. Et le sourire de la seconde Dauphine pour terminer, Miss Fafog, Charlotte Zanata. On m'a dit que j'avais la vie, mais je suis là. Et j'ai une candidate dans tout ça.